Maman, bon après-midi. Maman, mon ami t'a salué. Oui. Je n'ai rien entendu. Mais elle a fait. Bon après-midi, maman. Voilà, maintenant tu me salues. C'est comme ça qu'on salue les aînés. Je le sais, non? C'est pas à moi de te le dire. Maman, s'il te plaît, allons-y à l'intérieur. J'ai vraiment faim. Nous avons tous les deux faim, en fait. D'accord. Merci, maman. En tout cas, sois le bienvenu. Ah, comment te portes-tu? Très bien. Mais je te permets d'aller à l'intérieur. Allons-y. Entre autres, tu vas. Merci, à la maman. Qui est cette fille qui s'est habillée comme ça, comme une prostituée? Elle ne savait pas qu'elle venait ici pour qu'elle s'habille décemment avant de venir. Ou tu as oublié que nous sommes des chrétiens? Avant de l'amener ici, nous sommes des vrais chrétiens. Et que nous servons le Dieu Tout-Puissant? Tu as oublié? Mais, maman, je ne vois rien de mal avec son habillement. Mais pourquoi tu la défends? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors comment peux-tu dire qu'il n'y a rien de mal dans ce qu'elle porte? Comment est-ce que mon propre fils, que j'ai mis au monde, et qui est serviteur de Dieu, qui vient d'une famille chrétienne, et qui a un nez spirituel, peut sortir avec cette femme diabolique et dire qu'il est amoureux d'elle? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu ne la regardes pas? Regarde sa poitrine. Elle est exposée pour que tout le monde voit. Elle a tout laissé d'ailleurs. Je t'ai dit, mais tu n'es pas d'accord avec moi. Elle est diabolique. Tout ce qu'elle a mis est mauvais. Bien, de toutes les façons, qui est-elle? Maman, elle s'appelle Stella. Stella est la femme avec qui je veux passer le restant de ma vie. Tu as dit quoi? Oui, maman. Tu veux... de toutes les façons, Dia, tu viens d'où? Tu es de cette communauté? Oui, maman. Elle vient de cette communauté. Ben, elle vient de Oumori. Oumori, c'est ça? Oui. Ah. Satan, tu es disposé. Maintenant, je comprends pourquoi tu es comme ça. Des gens pervers. Regarde-toi. Hey! Le diable vient d'être exposé. Maman. Stella, c'est une très bonne personne. Une très bonne personne. Essaye de la connaître. Essaye juste de la connaître, à prendre un peu de temps avec elle. Tu vas comprendre. C'est une bonne personne. Je ne comprends pas. Apprendre à la comprendre encore comment? Je sais déjà qui elle est. Je sais. Je sais que tu l'as amenée ici, Okoya. Tu l'as amenée pour me montrer la personne avec qui tu vas passer ta vie, Okoya. Maman. Elle. Hey. De l'endroit d'où tu as pris cette prostituée. Regarde-la. C'est une vraie prostituée. Regarde là, c'est une fille possédée par plusieurs démons. Elle a tout exposé. Où est-ce que tu as pris cette fille? Oh mon Dieu! Tu n'avais pas vu de fille chrétienne? Celle qui s'habille décemment. Celle qui a la crainte de Dieu. Les hommes qui les regardent vont te dire qu'elles sont d'une famille chrétienne. Très bien élevée. Les filles que tu vas regarder et voir qu'elles seront de bonnes femmes. Tu ne les as pas vues? Et aller choisir au lieu de m'amener cette chose. C'est une génération démoniaque. Maman, il n'y a rien de mal en elle. Stella, c'est une très bonne personne. Je l'ai amenée ici juste pour te la présenter, non pour que tu la condamnes. Il n'y a rien que je condamne, je ne condamne. Mais c'est clair, personne. Tu la condamnes déjà, maman. La Bible est trop claire. La Bible nous explique tout. La Bible dit, on les connaîtra par leurs fruits. Regarde-la. Observe-la, regarde ses seins. Là où tu exposes. Et même là en bas, c'est exposé. Et regarde ses seins. Si seulement tu essayes de toucher ses seins maintenant, c'est déjà tombé. Je ne vois même pas quel genre de seins qu'elle peut donner aux enfants. Parce que c'est pourri de partout ici. Comment tu peux me dire, de toutes les façons, laisse-moi d'abord venir. Laisse-moi vous apporter quelque chose à manger. Et on parlera de ça plus tard. Mais je dois décider si elle doit rester dans cette maison. Ou maman, pas. Peu importe ce qui arrivera, c'est avec elle que je passerai le restant de mes jours. Il n'y aura pas moyen. Regarde. Je vais te faire. Enlève tes mains sur elle. Enlève tes mains. Arrête de poser tes mains sur ses seins. Tu seras maudit pour rien. J'arrive. N'importe quoi.
Bébé, s'il te plaît, je t'en supplie. Hein? Bébé, c'est quoi tout ceci? Hein? Pourquoi ta mère est trop dure envers moi? S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'avais déjà prévenu que tu allais affronter ça, ok? Tu comprends? Peu importe ce que ma mère a dit, c'est toi que j'ai choisi. S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. D'accord? Avec le temps, tout ça va passer. S'il te plaît. Est-ce que tu sais que je t'aime? Je me suis fait la promesse de t'aimer, peu importe le problème. Ok? Je t'aimerai encore et encore. Merci beaucoup. Hey, Jude! Pourquoi tu te sers fort avec cette prostituée comme ça dans un endroit public? Un serviteur de Dieu qui sert une prostituée comme ça, mais c'est quoi ça? Venez manger la nourriture prête. C'est d'accord, maman. Ah! Mon cœur, allons-y. Pourquoi est-ce que tu la chéris comme ça? Hein, Jude? Maman? Donc, tu seras là-bas. Tu vois la nourriture qui est bien couverte. C'est ce que j'ai spécialement préparé pour toi. Oh! Ok, suis-moi. Dia? Et comment elle s'appelle? Je demande comment tu t'appelles? Stella. Ah, ok, Stella, Stella. J'étais là, entrant. Les seins sont tombés. Oh. Biko, si tu m'avais amené une bonne fille, je n'allais pas parler de la sorte. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? On verra bien dans cette maison. On verra si je permettrai de rester là. C'est quoi ça? Voyons voir ce que c'est. Oh, Diri, faisons ça alors. Bon, tu prends ça. Je crois que maman a prévu cette assiette pour toi. Bien sûr, c'est ce qu'elle a dit, mais moi, je préfère la tienne. Donc, mange et ne pose pas de questions. Ok. Comment tu les trouves? C'est bien préparé? Oui, elle a préparé. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais dit que ça, c'était pour toi. Pourquoi manges-tu son repas? Maman, c'est lui qui me l'a dit. Je l'ai fait spécialement pour toi et j'avais dit que tu dois le manger. Mais pourquoi? Pourquoi tu manges son repas? Mais, qu'est-ce qu'il y a de mal si elle le mange? C'est moi qui lui ai donné. Laisse-la manger. Mon ami, moi, je ne serai pas, je l'ai préparé pour toi. Je l'ai fait spécialement pour toi et tu dois le manger. Maman. On s'en fout des visiteurs ici, ce n'était pas prévu. Mange ce repas. Tu dois me remercier d'abord pour ce repas. Hey, merci, maman. Et l'un t'essaie de ma table avant que tu la maudisses. Vas-y, mange. Maman, je ne veux plus manger. Tu dois manger ce repas. De quoi est-ce que tu parles? Je ne veux plus manger. Tu dois le manger. Ah ah, un repas que j'ai fait spécialement pour toi. Tu dois manger ce repas. Bébé, qu'on la laisse manger. Bébé. Quoi? S'il te plaît, on mange. On part maintenant. Je vais fermer la porte. Je vais voir par où vous allez sortir. Maman, maman, s'il te plaît, laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Mon fils, tu n'iras nulle part. Je suis là. Tu n'iras nulle part, j'ai dit. Maman, je veux faire... Si elle ne quitte pas, je vais faire passer cette voiture sur elle. Ne me dis pas ça. Tes fils... Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Mon fils, sort de là. Tu n'iras nulle part. Je suis là.
Fais tout ce que tu veux. Maman, c'est mieux qu'il te quitte derrière, sinon je vais rouler sur toi. Maman, quitte derrière. Maman, quitte là. Maman, je ferai passer cette voiture sur toi. Quitte là. S'il te plaît, quitte là. Vas-y, fais-le, on verra. Laisse-moi. Laisse-moi, bébé. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, c'est à cause de toi qu'il fait tout ça. C'est à cause de toi, les démons qu'il fait. Maman, tu peux me laisser partir? Chérie, s'il te plaît, arrête. Bébé, dégage là. Maman. Maman, quitte là, sinon. Je ferai passer cette voiture sur toi. Maman, c'est quoi ton problème? Maman, quitte là. Arrête. Maman, je... Maman, je ne vais pas te cogner. Quitte là. Maman. Bébé. Je comprends que c'est pour moi que tu fais tout ceci. Je l'apprécie. Mais tu dois arrêter. C'est ta mère. Et elle ne veut que le meilleur. Tout ce que je lui demande, c'est de bien te traiter. C'est tout ce que je lui demande. Je sais. Mais tu devais savoir que c'est comme ça qu'elle réagirait en me voyant. Ne te dérange donc pas pour elle. Je veux la gérer. Tu ne connais pas ma mère. Elle est vraiment difficile à comprendre. Très difficile. Non. J'ai pu prendre soin de moi-même. Et s'il te plaît, laisse-moi m'occuper d'elle. Laisse-moi la gérer. Pourquoi elle te traite de cette manière? Pourquoi? Mais pourquoi elle te traite de cette manière sans toutefois te connaître? Pourquoi? Elle est ta mère. Parce qu'elle est ma mère. C'est notre première rencontre. D'accord. Maman? Maman! Pourquoi es-tu perdue dans tes pensées? N'est-ce pas que c'est au sujet de ta grande sœur? Ma grande sœur? Est-elle malade? Ça, je ne sais dire. Je l'ai vue dans mon rêve cette nuit, en train de pleurer amèrement. Maman! Donc c'est un simple rêve qui t'inquiète comme ça? Tu qualifies le parole d'une vieille femme? C'est juste un simple rêve? Maman, ma sœur va bien. C'est juste un rêve. Si elle avait un problème, elle t'aurait appelé. Tu la connais, non? Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Je l'appelle maintenant. Tu l'appelles? Oui, je vais l'appeler maintenant. Pour savoir si elle va bien. Appelle-la. Tu dois te calmer. Elle va bien. Je connais ma sœur. Elle va très bien. Oh. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, calme-toi. Calme-toi. Ça va. Je vais juste encore essayer. Parle-moi, non? C'est quoi le problème? Maman, elle ne répond pas. Tu vois ce que je te disais? Et tu as vu maman, maintenant? Maman, c'est les réseaux. Hey! Maman, calme-toi, c'est les réseaux. Tu sais que le réseau n'est pas bon dans ces villages. Ne t'inquiète pas, je vais encore l'appeler. C'est le problème des réseaux. Je vais l'appeler pendant la journée. Calme-toi, c'est les réseaux. C'est les réseaux? Maman, calme-toi. Que je me calme. Des soucis, c'est bon. Les réseaux, tu dis? Maman, calme-toi. Arrête de t'inquiéter beaucoup. C'est bon. Arrête de t'inquiéter. Elle va bien. Arrête de t'inquiéter pour rien. Elle va très bien. Maman, je t'avais déjà prévenu que je ne l'avais pas amenée ici pour que tu l'utilises. Mais qu'est-ce que tu lui demandes de faire? C'est quoi ça comme travail? Si tu as besoin d'un travailleur, va prendre, je lui paierai. Arrête de l'exploiter. Tu lui demandes de balayer toute la parcelle. Pourquoi? Dis-moi. Hein? C'est fini, c'est fini. Tu connais ta santé, tu connais ta condition. Hein? Et si quelque chose t'arrivait? Maintenant, je vais bien. C'est juste balayer la parcelle. J'avais pas dit ça. Tu n'es pas obligé de faire toute chose. Tu n'es pas obligé. T'es pas une bonne. Mais chérie, je dois l'aider avec le ménage, non? S'il te plaît. Obéir à tout, pourquoi? Hein? Obéir à tout, pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Pourquoi tu veux lui prouver que tu es digne de moi? Dis-moi. Pourquoi? Hein? Dis-moi.
Bébé, je vais bien. Ne te dérange pas pour moi, je vais bien. Tu sais que j'ai la capacité de m'adapter à chaque situation. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète. Je te comprends, mon amour. Ça va aller, ok? Chérie. Hein? Comment tu vas? Oui, je vais bien. Peux-tu m'accompagner chez ma mère, s'il te plaît? Bébé, je pense qu'on en a déjà parlé. Oui, je sais. Je vais juste aller voir ma mère. Je sais que tu es venue d'y aller jusqu'à ce que tu officialises notre relation. Mais chérie, j'ai besoin de la voir, s'il te plaît. C'est d'accord. Juste une minute, je prends la clé de la voiture. D'accord, chérie. Je t'attends. Okay. Ok, voyons voir comment ça marche. Mais de mon côté, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Oui, c'est très simple, je pense. Je verrai ce que je peux faire. Je verrai ce que je peux faire pour pouvoir régler ça. Oui, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Ok. Non, vous n'avez pas à faire ça. Je verrai ça. Vous avez dit que c'est compliqué pour vous, alors je vais m'en charger. Ok. D'accord. Ouais, je verrai ce qui se passe. Ok. D'accord. Je vais voir comment je peux régler ça. Oui. Ouais, merci. Au revoir. Oh, c'est pas vrai. Je dois encore régler ça. Qu'est-ce que je dois appeler? Oh là. Emma. Mais qui vois-je? Waouh. Duc, mon gars. Ouais, mon gars. Mon gars, content de te voir. Comment vas-tu? Ouais, très bien. Oh, attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire au village en cet instant? Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Nous deux, on vient de ce village depuis qu'on est petit. T'as oublié? Oui, tu as raison. Tu as raison, mais... Mais honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à te voir là maintenant. Alors dis-moi, quelle est la vraie raison de ta visite? Bon, effectivement, hein? Je suis venu avec ma fiancée. Oh, vraiment? Oui, je viens de la présenter à ma mère. Waouh! Ouais, je voulais que ma mère sache que c'est merveilleux. Laisse-moi voir cet ange magnifique. Waouh! Bon après-midi, comment vas-tu? Oui, ça ma va. Ma fiancée, Stella Emmanuel. Oui. Wow. Mon ami d'enfance. Quand je te laisse pas te donner un conseil. N'ose pas la perdre. Ouais. Elle est très belle. Quand je dis très belle. Arrête un peu de dire qu'elle est belle. Elle est mienne. Bien sûr. Mais dis-moi, c'est bon, j'arrête. Je t'ai juste venu pour finir avec ma blanchisserie. Oui. Pourquoi pas venir avec moi pour... rendre visite à maman, hein? Allons-y la voir, allons-y ensemble. Cela sera merveilleux, mais à une seule condition. Tu vas me ramener jusqu'ici, afin que je prenne mes habits, et m'emmener jusqu'au car wash pour récupérer ma voiture. Ça ne poserait aucun problème, je te ramènerai ici et on ira prendre ta voiture au lavage. Et après, oui, tu il y a que ça. Tes habits pour prendre un dîner avec nous, d'accord? Pour de vrai? Ouais, franchement, tu passeras mieux avec nous. Jude, mon gars! D'accord, allons-y, mon gars. Waouh! Wow. Le village allait être vraiment ennuyeux sans toi, tu sais. Ah, mon frère. En tout cas, Jude. Jude, man. En chair et en os.
Je lui montrerai qui je suis. Elle saura qui je suis. Stella, ma fille. Maman. Tu veux dire que tu es venue au village depuis hier et tu ne te déranges même pas de nous appeler ou encore nous prévenir que tu viens nous rendre visite? Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Je suis désolée. Je voulais que ça soit une surprise. Jude évitait de venir ici jusqu'à l'officialisation de notre relation. Oui, maman. Mm-hmm. Hé, hey, Jude, mon fils, bienvenue. Merci, maman. Bienvenue dans la famille. Vous êtes dans votre maison. Tout ça, c'est à cause de ma fille. Tu sais que nous, on sait comment accueillir les gens dans notre communauté. Ma fille n'a même pas pris la peine de m'informer bien avant. Maman, ce n'est rien. Je comprends. T'inquiète, mon fils. La prochaine fois que tu viendras me rendre visite, je vais te réserver un accueil double. Maman. Oui, ça, je te promets. Je te ferai goûter tout le plat de notre village. Allez, ma petite. Maman. Tu vas trouver comme quelque chose pour eux, non? Allez. Viens, vraiment. Merci. Maman. Oh. Tu t'inquiètes beaucoup. Je suis très heureuse. Non. C'est comme ça qu'elle est, maman. Ma fille Stella, qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans la maison des Esta? Hein? Et cette femme s'est transformée elle-même à un homme aigri. Il n'y a rien sur la terre qui puisse la rendre heureuse. Maman, nous nous aimons. Nous nous aimons beaucoup, tu et moi. Et je crois que sa mère finira par les comprendre. Ma fille, je ne doute pas de ça. Hein? Seras-tu en mesure de supporter les troubles de Esta? Si son fils n'est pas encore marié jusqu'aujourd'hui, c'est à cause du traitement qu'elle donne à toutes les filles que son fils lui présente. Elles finissent toutes par fuir ce jeune homme et le laissent brisé éperdument. Maman, ça va aller. Je veux bien, ok? Je veux que tu me fasses confiance. Je peux prendre soin de moi. Maman, ma sœur a dit que tout ira bien. Laissons-la être joyeuse. Je ne peux pas rester dans une décision où je ne me sens pas fière. Alors, laissons-la tranquille, s'il te plaît. Oh, Dima. C'est juste que le rêve que j'ai eu à ton sujet me dérange. Maman, arrête avec ces rêves. Maman, t'inquiète. Ça va aller. Ne te dérange pas, d'accord? Gars, quelle magnifique femme avons-nous là. Stella est vraiment exceptionnelle, mon frère. Regarde comment elle est. Waouh. Gars, tu es chanceux. Tu es chanceux. Je souhaiterais que maman pense la même chose. Oh, Jude, comment peux-tu souhaiter une telle chose? Hein? Pourquoi souhaites-tu une chose pareille? Ouais, maman, elle la déteste. Elle dit qu'elle n'est pas mieux pour moi. Et maman est en train de faire tout pour frustrer cette fille. Tout. Ta mère à toi? Ouais. Comment est-ce qu'elle peut la haïr à ce point? Une fille aussi aimable et aussi bonne. Honnêtement, je ne la connais pas assez bien, mais avec les choses que j'ai déjà eu à voir aujourd'hui, je peux te jurer que tu as besoin d'une fille comme elle. Ouais, tu l'as dit. Hey. Tu l'as dit, mon frère, tu l'as dit. Mais tu vois, ma mère, maman est très difficile. Il faut que tu la gères. Difficile. Il faut vraiment que tu la gères pour que nous ne puissions pas perdre notre magnifique cœur. Oh, et notre femme. Est-ce que ces deux belles hommes sont en train de discuter? Bon, effectivement, il disait que s'il n'était pas marié, il allait épouser ta petite sœur. Je veux dire, la plus jeune. Mais qu'est-ce que tu... Mon ami, essaie de te calmer un peu. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là, sérieusement? Allez, arrête ça. Tu sais, actuellement, tu sais, hein, je sais que tu as une merveilleuse famille. Et une merveilleuse sœur. Et
Mon gars, s'il te plaît, arrête avec ça. Elle est juste devant moi, non? S'il te plaît. Allez, arrête, hein. Ne te dérange pas. Je sais que tu n'aimes pas quelque chose. Ok? Tu le crois maintenant, donc tu ne me crois pas? Je te connais très bien. Quoi? Bébé, s'il te plaît, il est temps en temps de courir. Je sais que maman aura très faim maintenant. Tu viendras me chercher à la maison. Maman, au revoir. Je m'en vais. Bon, attends que je la signale. Hé, hey, mon fils, maman, vous partez. Prends bien soin de toi. Hein. Prends soin de toi. Maman, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. D'accord. On a apprécié. Maman, merci. Mon fils, bonne route. Hein. Merci infiniment, madame. Merci. Au revoir. Merci. Que Dieu vous accompagne. Va ouvrir le portail. Va ouvrir le portail. Toi, tu exagères avec le merci. Bye. Bye, yo. Bye-o. Au revoir. Bye-bye. On me reste là pour les orienter, non? Aide-les à bien sortir. Bye-bye. Et Dieu, je te bénis, oh. Toi, vraiment, ce n'est pas possible. Fais-moi entrer ces chaises. Bébé, où est-ce que tu m'amènes? Ouais. Ça, ce n'est pas le chemin qui amène vers la maison. Juste voir une de mes connaissances, tu sais que ça fait vraiment longtemps, donc j'aimerais le voir. Vu que je viens plus au village, donc j'en profite pour le voir. Oui, c'est très important, il faut vraiment qu'on le fasse, ok? Ouais. Je crois que maman serait fâchée maintenant. On doit aller lui trouver quelque chose à manger. Chérie, je sais que maman va s'énerver, mais elle pourra comprendre, tu sais. D'où je pars, cette personne nous a toujours soutenus à propos du mariage. Bientôt, on va se marier, tu comprends? Bébé, es-tu sûr? Je sais, ma mère. Mais t'en fais pas trop pour ça. S'il te plaît. Oh, femme à épouser. Ça, c'est la preuve qu'elle s'inquiète vraiment. Tu sais que c'est mauvais. Mais on va bientôt rentrer, c'est pas grave. Oh, on va pas se perdre, tous ces endroits ont changé, hein? Presque tout a changé. Oui, c'est vrai, les choses ont changé, mon gars. Ah, oui, c'est bizarre. Le grand homme que nous sommes, on doit se faire de l'argent. Bien sûr, mon gars, bien sûr, faut vraiment faire ça. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est tout. Ouais, parce qu'avec ça, on va commencer à accomplir des grandes choses. Si je le dis. Ah, mon Dieu, attends que je te montre là où on a grandi, hein. Là où on jouait, on faisait des bêtises. Avec celui-là, on s'est battu. C'était sûrement la peine d'en parler. Hein. Quand on s'est battu, j'ai frappé souvent. Allez, c'est bon, on a compris. Arrête de parler de tout ça, ok? Je ne suis pas un grand homme maintenant. Non, mais c'est, tu seras toujours un petit. N'oublie pas qu'il plairait souvent. Souvent, lorsqu'il plairait, je l'ai regardé, je disais, tchaï, chima. Alors, ouais. Je suis un grand garçon. Mais voyez-moi bien maintenant. Voyez-moi bien maintenant. Sérieux, on a grandi. Pas vieux. En tout cas, c'est bien de parler un peu de nos histoires d'enfance. Bien sûr, bien sûr. Comment vas-tu? C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Nous avons maintenant la photo au village. Oh, tu sais, nous ne le regardons vraiment plus comme un village. Ouais. Très bientôt, tout ça va changer. On pourrait dire qu'on vit presque en ville. Ah oui, très bientôt. Oui. Oui, très bientôt. Laissons nos enfants aussi. Quoi, tes enfants vite? Ouais. Mais est-ce que tu vois encore une bourse par ici? Non, il y en a plus, mais ils auront du parc. Ouais, on doit juste habiter aux environs. L'endroit que j'avais vu, j'ai apprécié cet endroit. Mon frère, je t'ai dit, c'est une sérieuse transformation. Une sérieuse transformation. Il y a des maisons partout. C'est vraiment merveilleux.
Tu sais quoi? Essaie de demander le prix d'une terre. Comme ça, je te dirai le prix. Ouais, je sais. Maman m'avait parlé sur ça. Que je devrais venir pour acheter une parcelle. Que les terres sont moins chères. C'est tellement moins cher. Mon frère, c'est sérieux. Chérie, mais surtout, sois calme. T'en fais pas. On en aura. Amen. Emma? Tu as une liqueur forte. Que veux-tu que je prenne d'autre? Ça là, ça ne va pas me permettre de dormir. On pourrait reprendre les temps perdus. Ah, je dis pour toi, donc je crois que tu peux prendre ça. Hein? Es-tu satisfait? Non, je suis satisfait. Franchement. Ah mon frère, ça fait longtemps. C'est pourquoi toi aussi tu vas admirer la petite sœur de ma femme là-bas. C'est la vérité, oh, c'est la vérité. Ah, tu verras qui tu l'auras et tu m'appelleras l'homme puissant. Tu sais bien que notre enfance était vraiment très drôle. Tu pleurais d'ailleurs beaucoup, souvent, toi. J'étais comme un motivateur. Mensonge. Ouais. Mensonge. Oui, je l'étais. Mensonge. Ouais, je tenais même l'homme de sérieux. Quel garçon? Non. Belle question. Mais vas-y, réponds, non? Vas-y, réponds. Tu prenais trop de l'alcool, toi, hein? Tu étais tout le temps ivre, même. C'est pourquoi je le prends plus. Je prends juste Fanta. Tu vois? Sinon, c'est pas ça. Ah non, c'est simple. Je te dis, c'est pas quelque chose de dur. Ouais, c'est ça. Elle est maintenant, elle est. Ah, ouais, elle est. Et parle-moi du tien. Tu sais, il est marié, ça fait déjà 5 ans. Tu n'es pas sérieux, Zach? Non, je plaisantais. C'est un menteur. Oh, je te jure, ça fait 2 ans. Donc il a fait juste de la même manière et comme ça. Bam. Ah! Tu te jure. C'est un menteur. D'ailleurs, il est beaucoup mieux que nous. Ah! Je te dis, ces gars-là. Ils sont très dans je te jure. J'ai vécu des choses avec eux, je te dis franchement. Ces deux-là. On ne t'inquiète pas avec eux. Ouais, je te dis, frère, regarde maintenant. Tu as d'ailleurs oublié Sam. Je l'avais d'ailleurs oublié. Comment est-ce qu'il va? Je te jure, il a beaucoup changé, le gars. Et d'ailleurs, il va beaucoup mieux. Ah. Maman. Oh. Bientôt, tu resteras seule ici. Je suis impatiente d'aller voir ma sœur. Oh. Es-tu sûre? Ce n'est pas la signification de mon rêve. Maman, tu as encore recommencé avec tes rêves. Comment saurais-je que la maison de Esther ne serait pas une menace pour ma fille? Maman, s'il te plaît, arrête ça. Toutes les filles qui sont venues chez elle n'ont jamais quitté de la même manière. Au fait, la 12e demoiselle a quitté presque morte. Est-ce que c'est ce que Stella va traverser au nom de l'amour? Hey! Mon Dieu, je saurais qu'elle va m'écouter. Maman, calme-toi justement. Ma sœur est belle. Je ne pense pas qu'elle peut demander à une personne de l'aimer. Oh, tu penses que les autres demoiselles n'étaient pas formées, n'est-ce pas? Ma sœur est différente. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tais-toi et rentre dans la maison. Maman, je suis déjà prête pour partir. Je dois me changer, je n'aime plus ce look. Je vais aller à la cité. Je vais à la cité. Nya. Mais qu'est-ce que tu fais dehors toute seule à cette terre? Y a-t-il un problème? Non? Qu'est-ce qui te dérange? Chérie, je veux que tu arrêtes d'être dur envers ta mère à cause de moi. Je te prie de l'arrêter. Ah. S'il te plaît, bébé. Ah. Bébé, je veux que tu me regardes. Suis-je pas prêt pour prendre soin de ma femme? Bien sûr que oui. N'étais-je pas dit que tu es la seule femme que...
je me suis engagé. N'étais-je pas dit que rien de tout ça changera à cause de l'attitude de ma mère? Maintenant, tu veux que je permette tout ça pour que je te perde, c'est ça, hein? C'est ce que tu veux, hein? Bébé, tu sais que tu ne me perdras pas. Sois-en rassuré. Je t'aime. Je me suis faite une promesse de t'aimer jusqu'à la fin des temps. Alors, s'il te plaît, arrête ça. Je t'aime, chérie. Ok? C'est d'accord. Je te crois, mais c'est juste que... Ne dis plus un mot. Ok? Je suis ici juste pour toi. Je n'irai nulle part. Je te le promets. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Maman, je sais ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Et je suis vraiment désolé pour mon attitude et mon arrogance aussi. Je suis désolé. Ouais, je le regrette. Je veux pas que tu ailles penser sur ça. S'il te plaît, arrête de penser. Juste pour te rendre heureuse, j'ai décidé de t'amener Chica. Pour que Chica puisse t'aider dans des travaux ménagers et aussi aller au marché pour t'acheter des choses que tu auras besoin. Si tu veux qu'elle fasse quelque chose, elle est là pour le faire. Hein? Mère? Ok. Donc, tu as fait venir Chica pour les travaux ménagers. Alors, qu'est-ce que ta petite amie fera dans cette maison? Maman, Stella reste ici pour vous surveiller, pour savoir si vous deux vous allez bien. Hein? Ce n'est rien de grave, tu sais... Elle va juste rester pour essayer de savoir toutes choses sur la famille, hein? Hein? Mais Chica est là pour aider. Si tu veux qu'elle puisse aller au marché ou bien préparer quelque chose, elle va tout faire, Chica est là, hein? Hein? Je partirai juste pour des jours, j'ai une réunion. Et après, je serai de retour. Hein? Donc, s'il te plaît. Oui, maman, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Donc, Stella sera juste à la maison en train de me regarder et de me connaître. Ah. C'est bon, je t'ai entendu, mon fils. Ça ne me dérange pas. Chica, tu connais déjà cette maison, non? Alors, va mettre ton sac dans la chambre. Merci. Je t'ai entendu, tu peux partir. Maman, ne t'en fais pas, tout ira mieux. Hein? Tout ira mieux. Bon, princesse, rassure-toi de bien prendre soin de toi, ok? S'il te plaît, ne laisse pas l'attitude de ma mère, mais laisse penser qu'elle planifie pour me séparer. Comment tu peux dire ça? Ta maman et moi sommes en bon terme. Prends juste soin de toi et retourne me rencontrer. Je serai certainement de retour. Maman? Hein? Hey! Je pars, hein? Ok, hey! Prends soin de toi aussi, prends soin de ma femme. Hein? D'accord, oui, je Je voulais dire, prenez soin de vous, hein? Hey, mon fils, tout ira bien. Bonne journée, chérie. Maman. Sois prudent. Bye. D'accord. Bye bye. Au revoir, maman. Bye. Hey, mon fils. Bye. Et quoi? Bye, chérie. Baisse ta main, c'est quoi ça? Ah. Pourquoi tu balances ta main comme ça? Tu le souhaites le bien ou le mal? Va à l'intérieur. Laisse-moi nettoyer tout ce que tu as dit en balançant ta main. On y a là. Et tu ris encore. Pourquoi même? Bien, Non, Gossi. Je te dis que cette femme est très gentille envers moi. Elle me traite comme sa propre fille. Oui, c'est juste parce que deux fois, j'oublie de te le dire. Allez, n'écoute pas tous ces racontars. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, désolée. Je suis vraiment désolée, je t'envoie l'argent pour les cleaning très bientôt, ok? Attends, je vais prendre une photo pour te l'envoyer après. D'accord, Dave. Je te ferai aussi les prises de la maison et te l'envoyer. D'accord, prends soin de toi. Hey!
mignon. Dégage là. C'est quoi ça? Donc tu es très à l'aise en te mettant ici? Envoyer tes photos aux hommes. Okoya? Mais maman... Donc tu n'as jamais arrêté la prostitution? Hein? Il n'y a rien, maman. Ça. Prends cet argent et va au marché. Va au marché acheter quelque chose pour préparer la soupe. Mon ami dépêche, va-t'en. Préparer la soupe. Maman, d'habitude, c'est Chika qui va au marché. Moi, je ne maîtrise pas encore le coin d'ici. Elle peut aller acheter comme ça, moi, je vais... Ok, donc tu qui es ici pour aller au marché. Et toi, tu restes ici entre les jambes. Tout homme qui te touche, t'ouvre tes jambes. T'ouvre tes jambes. Mon ami, dépêche-toi avant de marcher pour tout. Dégage. Et fais descendre ta robe. Vas-y, arrange cette robe. Fais-la descendre, vite. L'enfant du diable. Regarde-la. Kakakakarachika. Une envoyée du diable. Cherchez qui c'est dur. Mais qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle regarde? Stupide! Sors de là et va vite au marché. Achète-moi un cookie pour la soupe. Hein? Oh! C'est pas possible, oh! Jésus! Hey! Qu'est-ce que je vois? Neka, c'est bien toi? Oui. Je suis très contente de te revoir. Quand est-ce que tu es revenue au village? Où est-ce que tu vas et d'où viens-tu? Bien, je viens de la famille de mon fiancé. Là, maintenant, je me dirige au marché pour trouver à ma belle-mère quelque chose au marché. Tu viens de dire belle-mère? Oh, désolée, mon amie. Ma belle-mère en devenir. Tu es d'être un homme chancé. De toutes les façons, je sais qu'il n'y a pas un autre marché à part Ekoka, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi pas faire ensemble et avoir un peu du temps pour parler? Tu sais que ça exactement. Fait vraiment longtemps. Très contente de te voir, ma belle. Merci. On y va, non, tu m'accompagnes, pas de souci. Comme ça, nous aurons tout le temps de parler. Ça fait tellement longtemps. Tu as ça une bonne mine. Hein? Oh, comment tu vas? Quelles sont tes nouvelles? Toi, avec tes blagues. Tantine. Chika. Tantine, pourquoi tu es allée au marché pendant que je suis là? Ah, Chika, ne te dérange pas. Je voulais aller au marché toute seule. Mais promener, c'est un peu de temps. Afin de maîtriser aussi les milieux. Chica, aide-moi à le faire entrer. Je vais bien, bon après-midi. Désolée. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire seule. Maman, bon après-midi. Pourquoi tu me salues? Vous n'avez pas honte? Regarde-le. Maintenant, je comprends pourquoi tu es tardé. J'étais envoyé au marché pour aller acheter quelque chose. Tu es parti rencontrer ton ami prostitué pour bien faire la prostitution. Et d'ailleurs, c'est quoi là sur ta tête? La ceinture? Oui, maman. C'est ce qu'on utilise souvent. Et c'est seulement des gens pareils qui mettent des choses comme ça. Je comprends maintenant. Hein? Donc, vous êtes toutes les deux des prostituées. Donc, j'ai des fois à attendre que la prostituée soit rentrée. Maman, tu voulais que maman, je merde, je suis ça? Désolée. Okay. Ah, c'est de l'arrêt, ça. Il va me préparer la nourriture. D'accord. C'est fait rapide. Au revoir. Au revoir, je vais t'appeler. Hein. Va me préparer quelque chose. Regarde-moi celle-là. Maman, arrêtez de crier sur elle, s'il te plaît, maman. Toi, tu la fermes. Avant de préparer la nourriture, s'il te plaît. Stella. Reviens ici. Dépêche, reviens. Laisse-moi vérifier si tu as acheté ce que je t'avais envoyé. Laisse-moi vérifier. Es-tu sûr que c'est ton complet? Montre-moi ton sac. Peut-être que tu caches quelque chose à l'intérieur. Il n'y a rien, maman. Tiens-moi ça. Il n'y a rien. Maman, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas d'argent dans mon sac. Donc, tu n'as rien caché? Maman! Allez, va-t'en. Regarde bien dans tes... Il n'y a rien. Mais d'accord, okay, maman. Tu peux partir. Maman, toutes ces choses ne sont pas nécessaires. Va préparer! Maman, ce n'est pas correct. Elle est ta belle-fille. Vous... Désolée, oh. Je vais te frapper, hein. Ouniala. Hey, donc elle portait la ceinture sur sa tête. Ça, c'est le plus normal, oh. Donc elle a porté la ceinture sur la tête.
Hey, le fils de Jézabel. Le diable est un menteur. Hey. Chica. Tontine. Où est maman? Elle doit être dehors. Ok, s'il te plaît, aide-moi à l'appeler. Et dis-lui que la nourriture est prête et déjà servie. Je profite de nettoyer la cuisine. Ok, attendant. Pas de problème. Maman, Tontine Stella dit que la nourriture est prête, si vous pouvez venir. Donc elle t'a demandé de venir me servir la nourriture. Une fille que mon fils veut épouser. La fille que mon propre fils veut épouser t'a demandé, Chica, de venir me servir la nourriture. C'est une insulte, non? Hein? Non, maman, elle nettoie la cuisine. Devrais-je vous servir? Je n'ai pas faim. Si elle veut que je mange cette nourriture, elle doit venir me servir ici elle-même. Et ce n'est pas à toi de venir me servir la nourriture. C'est quoi toutes ces bêtises? Ah, mais maman, c'est elle qui a préparé cette nourriture, non? C'est elle qui devait vous servir. Elle m'a juste demandé de vous appeler pour Chica. Manger, non? Ne m'énerve pas, je ne suis pas de cette mère. Alors ne m'énerve surtout pas. Le diable ne mourra pas à travers toi. Maman, elle est occupée, non? Je dis que je n'ai pas faim. Ah! Vous n'allez pas manger, maman? Je ne vais pas manger. C'est ce que je dis. Vous exagérez. Hé, hey, Chica, reviens ici. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne parle pas à vous. Je juste... Hein? Agenouille-toi. Agenouille-toi. Mais maman, ce n'est pas vous. Lève-moi tes deux mains. Je dis lève. Lève-le plus haut. Je les ai soulevés. Je dis... Lève-le très bien. Allez, commence à le bouger. Vas-y, bouge-le. Vas-y, bouge-le. Tu veux blaguer avec mon esprit. Regarde-la. Tu resteras comme ça. Chica, pourquoi tu es à genoux? C'est maman. N'étais-je pas dit de l'appeler pour qu'elle vienne manger? Je l'ai appelée, elle m'a demandé de m'agenouiller. Pourquoi? Hey! Tu te prostitues maintenant dans ma maison. Tu es toute nue dans ma maison, une maison chrétienne, qui est une fondation divine. Mais maman, ça c'est juste une petite culotte. C'est ton fils qui me l'a amené. Il aime quand je mets ça. Que Dieu te punisse! Tu es une menteuse. Que Dieu te punisse! Mon fils quoi? T'es laissé t'habiller comme ça? Mon seul fils, à qui je montrais la bonne voie? La perdue! Donc le diable a changé. Maintenant, il a dû trouver un autre moyen. Donc il t'a envoyé ici pour venir détruire mon fils. Hey, tu as perdu, je te l'ai dit. Tu as perdu en atterrissant dans une maison chrétienne. Une maison tellement bénie. Une maison fondée sur la divinité. Bénie par Dieu lui-même. Tu es venu pour nous détruire. Hey, aïe, le diable a perdu. Tu es là confondu maintenant. Es-tu stupide? Maman, désolée. Regardez la façon dont il s'habille maintenant. Hey! Maman, calmez-vous, non? Hey! Calmez-vous. Oh! Il n'y a pas à vous inquiéter. Maman, c'est juste une petite culotte et c'est vraiment la mode. Hey! Maman, Tirado, tu ne sais pas, toutes les filles de ce village se promènent avec. Et les garçons, waouh, ils aiment ça. Tu ne sais pas, c'est vraiment un très beau look. Ferme ta bouche, Chica. Ferme ta bouche, les filles de Jézabel. Tu es toujours ici? Allez, à la maison, allez-moi cette tenue, vite, allez-moi cette tenue. Hey! Le diable est un menteur. Hey! Ah! Jézabel! Et toi? Je peux bien voir que tu es à l'aise avec cette position. C'est pour cela que tu as eu le courage de dire n'importe quoi. Non! Et dire que les hommes apprécient. Apprécient quoi? C'est une erreur. Ferme ta bouche! Quoi? Allonge-toi ici. Maman, j'ai dit que c'était une erreur. C'est le même démon que je vais punir maintenant. Vas-y, lève tes mains. Dépêche, mon ami.
Lève tes mains très bien. C'était une... Et ouvre tes mains. Vas-y. Maman, ce n'était pas... Ferme-la. Eh ouais. Hey. Oh. Oh mon Dieu. Es-tu sérieux? Tu sais, cette histoire, c'est vraiment comme, comme un film. Ah! Ok, c'est bon, c'est bon. Soyons sérieux un peu maintenant, dis-moi. Comment va ton voyage? Ok. Ok. Je crois que tu vas bien. Va où tu veux en venir. Je te l'ai déjà dit. Ça va, nous allons bien avec maman. Ok? Tout va à merveille. Oui. Allez, arrête. As-tu déjà mangé? Désolée de te manquer pour te faire de la bonne nourriture. Mais s'il te plaît, trouve-toi quelque chose à manger, ok? Ah, d'accord. Ok, je le ferai. Je t'aime aussi. Bye. Pourquoi fais-tu trop de bruit? Maman. Ne sais-tu pas que j'irai à l'école demain matin? Mais pourquoi tu es en train de rire comme une malade mentale dans un hôpital? Désolée, maman. Désolée. Et que fais-tu encore ici? Pourquoi as-tu toujours cette tenue? Maman, nous sommes déjà la nuit. Et je suis à la maison. Et je ne vais aller nulle part. Et maintenant, tu as l'audace de me répondre. Dans ma maison. Maman... J'arrive. Maman, je suis désolée. Maman, je suis désolée. Chica. Bonjour, tantine Stella. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. J'étais en train de te chercher. N'étais-tu pas dormi dans cette maison? Ah, bien sûr que oui. Chica, maman m'a réveillée très tôt le matin avec un ventre affamé pour que j'aille au marché pour lui acheter des choses dont elle avait besoin à utiliser ce matin même. Ah, je ne les comprends pas. Mais comment ça? Nous n'avons jamais préparé ce genre de soupe dans cette maison. Elle m'a dit qu'elle voulait manger les jollof rice avec le mangala. Ah, maman est impossible. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Je n'avais pas d'autre choix que de les attendre pour pouvoir acheter ce qu'elle m'avait envoyé. Et s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour faire ce repas très vite et les lui servir, ok? Pas de problème, laisse-moi juste finir avec ces habits, j'arrive. Merci. Ah! Okay. Oui, maman. Je ne sais pas pourquoi ta sœur ne vient pas nous visiter depuis la dernière fois qu'elle était ici. Est-elle déjà rentrée sans nous le faire savoir? Non, maman, je ne pense pas. Ma sœur Stella sait qu'elle ne peut pas retourner sans pour autant nous informer. Je ne pense pas. C'est quoi alors le problème? Pourquoi elle n'appelle pas? Je ne sais pas, mais peut-être je vais l'appeler après pour que tu parles avec elle. Je ne veux pas entendre. Je veux la voir. Je dois la voir. Pas de problème, maman. Vas-y. Vas-y où elle habite, ce n'est pas trop loin. Je crois que c'est le mieux à faire. Maman, laisse-moi finir ce que je fais. De toute façon, on aura le temps d'aller la rendre visite. Laisse-moi finir, nous devons manger, non? Laisse-moi finir premièrement. N'est-ce pas que c'est la raison pour laquelle que je t'ai dit de faire vite? Laisse-moi finir. Mais maman, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Du n'importe quoi. J'ai presque fini. Tontine, laisse-moi apporter la nourriture à maman. Tu dois te reposer. Ne te dérange pas, Chica. Laisse-moi aller la servir moi-même. Aide-moi juste à ranger la cuisine, ok? Je m'en vais. Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi tolères-tu toutes ces actions de maman? Tu dois t'élever contre elle. Tu sais pourquoi? C'est parce que je vais me marier avec son fils et non pas avec elle. Ok? S'il te plaît, aide-moi à faire la vaisselle et arranger la cuisine. Je le ferai alors pour merci. Toi, merci. J'arrive. Il y a quelqu'un? Allô? Ah, maman, c'est encore fermé. Nous pouvons revenir après. Ok. Ah. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma sœur. Comment tu vas? Bonjour. Je vais bien. S'il vous plaît, qui cherchez-vous? Oh oui, je suis la mère de Stella. Ah, bienvenue, maman. Nous sommes venus savoir si Stella est rentrée en vie. Oh, non. Oh, elle est encore là. Mais elle n'est pas à la maison maintenant. Elle s'est déplacée. Mais elle doit être en route. S'il vous plaît, venez à l'intérieur. Qu'en est-il de Jude? Il est sorti avec Stella? Ah non, frère Jude a voyagé à la cité pour une réunion importante. Mais il reviendra demain. Vous pouvez venir à l'intérieur pour l'attendre. Viens. Viens, on Oh, vraiment, ça fait tellement longtemps. J'ai cru même que tu étais déjà rentrée en ville. Maman, ça, ce n'est pas possible, non? Tu sais que je ne peux pas rentrer en ville sans pour autant te le faire savoir. C'est exactement ce que je disais à maman. Mais maman ne voulait pas me croire. Honnêtement, c'est ce que j'avais en tête aujourd'hui jusqu'à ce que Ogé m'ait proposé de venir te rendre visite. Ça fait tellement longtemps. Sincèrement, maman, j'avais pensé venir voir. Même Neka m'a demandé, on allait venir ensemble avec elle. Maman, comment tu vas? Je vais bien. Oh. Neka. Maman. Comment tu vas? Maman, comme tu peux le voir, je vais bien, je ne me plains pas. Maman, et toi? Ah, c'est comme tu vas, mon enfant. Tu as l'air grâce, jolie, maman. Hé, hey, ma fille. Maman, comment arrives-tu à gérer le problème d'Esther? Ah, maman, de quel problème d'Esta es-tu en train de parler? Je vais bien. Depuis que je suis ici, je ne veux pas de problème. Tout va bien. Oui, maman, es-tu sûre? Maman, je vais bien. N'ai-je pas l'air de quelqu'un qui va bien? Ou tu le dis juste pour essayer de couvrir les choses? Ah, maman, je vais bien. N'est-ce pas que j'ai une bonne mine? Hein? Maman... Tu sais, à des fois, hein, nous devons paraître belles comme moi. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais sinon, elle peut paraître belle. Mais à l'intérieur d'elle, elle ne va pas bien. Elle le sait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ok? Je vais bien. Oui. J'apprécierai si vous croyez ce que je vous dis, ok? Ma jolie fille, puisque tu dis que tu vas bien, je ne peux que te croire, oh. Je n'ai rien d'autre à faire. Je te fais confiance. Mais la seule chose que tu ne dois pas oublier est que tu es encore jeune et très jolie. Ok? Ne te solde pas à un homme qui ne t'a pas encore épousé juste au nom de l'amour. Maman, s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Hein? Parce que je fais de mon mieux. Apprends à rester toi-même. Le mieux, c'est d'aller là où tu es célébré, plutôt que d'aller là où tu es toléré. Maman, j'ai entendu ton conseil, hein? Merci beaucoup. Mais tu dois retenir que je vais très bien. Elle a dit qu'elle va bien, maman. Elle a dit qu'elle va bien. Ok, maman, c'est bon de l'entendre. Ça prend ta bouche. Stella? 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 Ah, dis-moi, maman, je t'appelle. Maman, je ne savais pas que tu étais rentrée. Comment sauras-tu que maman. Je suis rentrée? Quand tu es là en te baladant partout et te balader nue dans ma maison. Je suis désolée, maman. Qu'est-ce que tu as préparé pour le dîner? Maman, je n'ai encore rien préparé. J'attendais ton retour pour que tu me dises ce que tu voudras manger. Je vais apprêter un petit riz en attendant. Es-tu rue aussi pour ça? Tu éclates tes dents et rire pour rien.
Es-tu stupide? Tu ne peux juste pas faire une seule chose dans ta vie que quand quelqu'un va regarder et dit « Ah, cette fille a essayé. » Désolée, maman. Tu te balades juste partout, s'habiller à moitié nue dans ma maison sans rien faire. Je suis désolée, maman. Mon ami va là-bas et prépare un truc pour moi. D'accord, maman. Je ne veux plus voir cette tenue. Hé, 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 reviens ici. Écoute, si tu vas dans ma chambre, tu verras une mini-table. Une mini-table à livres dans ma chambre. Tu verras, il y a des livres dessus. Alors prends tous ces livres, va dans ta chambre, marque-le pour moi. Et en même temps, tu prépares la nourriture. Maman, puisque je dois faire tous ces travaux et préparer en même temps, je ne crois pas que je saurais les finir à temps, maman. Pourquoi tu ne dis pas à Chika d'aller le faire? Est-ce que tu es obligée de montrer ta stupidité à tout moment? Tu es obligée de montrer que ta mère t'a pas bien éduquée? Désolée, tu es obligée de nous montrer que tu es paresseuse? Désolée. On y est là. Donc avec les yeux de la paresse, tu vois déjà que ce livre est tellement gros. Mon ami va préparer la nourriture et marque-moi d'autres livres. Va-t'en au moment où je parle. C'est quoi toutes ces bêtises au juste? N'importe quoi. On t'a dit de faire ça, tu ne veux pas. Fais ça, tu donnes des explications. Et même dans ton lit paresseuse. Hein? Hein? Regarde ma maison. Hein? Partout la saleté. Hein? Il y a même de poussière. Hey! Hey! Hey, wow! Stella! Allô? Mon donneur de joie? Je vais bien, chérie. Ça va chez toi? Nous allons bien, moi et maman. C'est juste que tu me manques. Vraiment? Tu es en route en train de venir. Oh, j'ai tellement hâte de te voir. Tu m'as tellement manqué. Oui! Achète-moi la pizza, s'il te plaît. Achète la plus grande. Essaye de la retrouver. Il faut me l'amener, hein. Oh, j'ai tellement hâte de te voir. Ok, c'est bon. Bonne route, chérie. À tantôt. Bisous. Ah, bonté divine. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu mon chéri. Hé, hey, toi, que fais-tu ici? Maman, j'ai eu un appel de mon fiancé. Il a dit qu'il est en train de venir. Ok. As-tu préparé la nourriture que je t'ai demandé de préparer? Maman, j'ai fait la soupe de Boussi. Es-tu stupide? Je t'avais dit que je devrais manger la soupe de Banga. N'est-ce pas ce que je t'avais dit? Maman, tu m'as parlé de Boussi et la soupe. Hein, tu veux dire que je suis une menteuse? Non, maman, non. Eh, mais tu la vas à l'intérieur, va me préparer la soupe de Banga. Il faut te dépêcher quand je parle. Allez, voilà. Viens me défier alors si tu es une femme. N'importe quoi. Tu veux me faire courir, tu penses que je n'ai pas d'énergie? Idiote. Viens. Ah, donne-moi d'abord ce téléphone. Donne-moi ce téléphone. Ah, ouais. Maman. Maman, j'espère que tout va bien. Pourquoi tu insistes comme ça? Comment est-ce que tout ira bien? Hein? J'ai envoyé cette fille au marché. Ça fait déjà 2 heures passées. Juste pour acheter les ingrédients pour Ofako. Et pour la soupe de Banga. Mais jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Laissez-le pas que j'ouvre ma faim ou elle veut que je sois morte avant qu'elle revienne. C'est bon. Maman, tantine Stella est toujours rapide. Je pense qu'il y a quelque chose qui la retient. Ou elle prend son temps pour sélectionner la bonne qualité pour vous. Est-ce que la sauce de Banga contient beaucoup de choses? Ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Mais il y a toujours une différence. Pourquoi cette stupide fille ne peut pas faire des choses qui sont appréciables? Qu'est-ce qu'elle sait? Ou elle en profite pour... pour aller... commérer aux alentours. Parler de la vie des autres. Ok, je vais l'attendre. C'est bon. Maman, elle reviendra. Je ne veux surtout rien dire.
Viens et tu vas me trouver ici n'importe quoi. Elle a laissé ce que je lui ai envoyé pour se balader partout. Faire du commérage. Elle n'a même pas un sens d'humanité. C'est quoi ce genre de bêtises? Noël, viens et tu vas me trouver ici. Maman, maman, bonsoir. Hein? D'où est-ce que tu viens? Ah, maman, je viens du marché. Tu m'avais envoyé acheter les ingrédients, non, pour la soupe du banga. Hein? Oh! Tu viens du marché? Oh, oui, maman. Tu as acheté des ingrédients? Oh, oui, maman. Et c'est un nombre de combien? Ah, maman, ça n'a même pas fait une heure. Ok. Ok, va préparer la nourriture. Merci, maman. Merci. Merci. Une fille nue. Tu te balades partout toute nue. Merci, oh. Oh. Dalou. Hey. Désolée. Tantine, arrête de pleurer. Désolée pour le comportement des mamans. Ne penses-tu pas que tu dois parler à Frangile à propos de tout ceci? Je voulais dire, il m'a amené dans cette maison pour les travaux ménagers, mais maman ne me laisse faire aucune chose. Tantine, tu ne peux pas continuer comme ça. S'il te plaît. Frangile doit le savoir. Nous devons lui dire. S'il te plaît. Non. Non. Tu ne peux pas le lui dire. Je ne veux que... Je ne veux pas être la cause des différends entre ma belle-mère et son fils. Et je ne veux pas de ça. Et je crois que ce sont les mêmes problèmes par lesquels le belle-fille passe chez leur belle-mère. Avant d'entrer au mariage. Ah, vraiment? Non, Tantine. Non. Tantine, tu veux me dire que tu veux garder cette peine que tu ressens? Non. Ce qui me peine le plus, ce n'est même pas le frappe qu'elle m'a donné. Et c'est le fait de ne pas manger la nourriture que je fais pour elle. Quoi? Tu veux dire que maman n'a pas mangé cette soupe dont elle voulait mourir pour en avoir? Après avoir été stressée autant? Non! Maman devait prendre cette soupe! Arrête, Chika! Arrête! Fais attention à la manière dont tu t'adresses à ma belle-mère! Je suis désolée, mais elle... Tantine, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais je ne pouvais pas supporter te voir comme ça. Tu es une bonne femme. Juste, s'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je crois que tout ira bien. Un jour, elle comprendra que tu es une bonne femme et elle t'aimera. S'il te plaît, arrête. Je vous ai juste laissé des jours, juste des jours. Mais c'est quoi ça? Regarde comment t'es. Hein? Je t'avais pas prévenu de ce qu'elle peut te faire. Je t'ai dit que ma mère allait te faire souffrir au lieu de me croire. T'as refusé? Regarde-toi. Chérie, il n'y a pas de problème. Je vais bien. Tu vas bien? Qui t'a dit que tu vas bien? Tu ne vas pas bien. Tu as été maltraité et tu es en train de mourir dans le silence.
Ouais, tu meurs dans le silence. Tu as été maltraité, tu gardes silence, tu me dis que tout va bien. Qui t'a dit que tu vas bien? Bébé, s'il te plaît, crois-moi si je te dis que je vais bien. N'entre pas à la maison pour commencer à te tirailler avec maman pour quoi que ce soit. Certainement, je le ferai. Je le ferai. S'il te plaît. Mais pourquoi elle me traite comme ça? Hein? Elle ne veut pas qu'il soit marié ou bien que je ne t'épouse pas? Pourquoi elle nous traite ainsi? Bébé, pourquoi? S'il te plaît, pardon. Mais c'est quoi ça? Ne fais pas ça, je te supplie, pardon. Je ne veux aucun problème cette nuit. Entrons juste dans la chambre pour nous reposer. À l'intérieur? Si je vais là-bas, je vais certainement la confronter. Et ça ne va pas te plaire. Donc on va quitter cette maison, cette nuit même, et on va partir dormir ailleurs. Où est-ce qu'on va dormir? À l'extérieur? On part à l'hôtel, on va dormir dans un hôtel. Ah, chérie, tu ne feras pas ça. Je te dis ce que je vais faire, et j'ai déjà tout planifié. Exactement ce que je vais faire. Elle te maltraite, je te dis, tu me dis non. Pourquoi? Chica! 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 Maman? Ah, bonjour, maman. As-tu vu mon fils? Il n'est plus retourné depuis cette nuit qu'il a quitté avec Stella. Quoi? Tu mens? Tu veux dire que mon fils a quitté cette maison et n'est pas revenu la nuit dernière? Oui, maman. Elle est allée jusqu'à convaincre mon fils, mon propre fils, partir sans toutefois me dire. À cause de cette fille diabolique, n'est-ce pas? Maman, je ne suis pas sûre que c'est à cause d'elle. Les diables, les démentaires. Mais maman, ils reviendront. Ne me dis pas ça. Cette fille viendra me trouver dans cette maison. Elle viendra me trouver ici. Ah, toute chose, Stella. Qu'est-ce que Stella a fait dans tout ça? Stella ne peut plus être heureuse à cause de toi. Ah, c'est quoi ça? Jude, la vérité dans tout ça, c'est que tu ne peux continuer d'éviter ta mère. C'était pas propre, tu devrais aller la revoir. Je crois bien que maintenant, elle s'est sûrement habituée avec elle. Habituée avec elle? Habituée avec elle comment? Aimant, sais-tu combien de relations amoureuses que ma mère a remplies pour moi? Tu le sais? Hein? Sais-tu combien de relations? Hein? Si elle veut m'épouser, elle n'a qu'à aller droit au but de me dire qu'elle veut m'épouser, c'est tout. Mais elle arrête de rompre mes relations pour moi. Surtout pas celle-ci. Je comprends très bien là où tu veux en venir. Mais j'insiste que tu lui demandes. Demande-lui un peu tout ça, ce qu'elle veut, et écoute sa propre version de l'histoire. Et moi, écoute, je ne veux rien demander à ma mère. Ah. Elle est ma mère. Elle doit protéger mes intérêts, c'est son devoir. Bon, tu devrais te calmer. Elle doit protéger mes intérêts. Bébé, s'il te plaît, je vais rentrer à la maison. J'ai besoin de rentrer. S'il te plaît. Chérie, pardon, je te prie, pardon. Suis là. Je te verrai plus tard, d'accord? Juste calme-toi et sois un homme. Ok, d'accord, maman. Ça va, on parle plus tard, d'accord? Prends soin de toi. Est-ce que tu viens? Tu as quitté cette maison sans dire à ta mère à cause de cette chose? Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi tu essaies de détruire ma vie? Tu y es mon fils et je veux le meilleur pour toi. C'est assez demandé? Elle est le meilleur pour moi. Allons-y. Bon, Chica, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que tu veux me dire que tu ne peux pas le dire devant maman? Mon frère, c'est à propos des maman et tantine Stella. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mon frère, tantine Stella est une très bonne femme. Cette épée ne la perd pas. Parce que personne ne peut tolérer toutes ces insultes et toutes ces punitions qu'elle a reçues auprès des mamans. Elle doit répondre les sourires sur son visage. Sans faire de trop. Chica, je t'ai pas bien saisi. De punition. Est-ce que tu sais de me dire que maman a puni Stella? Oui. C'est quoi ce que tu dis? Oui, mon frère. Elle lui a puni comme si elle punissait l'une de ses élèves. Jusqu'au point de la gifler. Mon frère. Si tu demandes mon avis, je te demanderai de retourner tantine Stella à la cité avant que maman la tue dans cette maison. Merci, Chico. Je crois qu'elle t'a tout dit. Stella, mais c'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Hein? Pourquoi tu acceptes ces punitions? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que maman t'avait puni? Pourquoi? C'est parce que je t'aime. Je sais à quoi tu penses. Bébé, je sais à quoi tu penses. Ne fais rien de drastique, s'il te plaît. Je te prie, pardon. Essaie de t'apaiser. Elle t'a puni. Chérie, ce n'est rien. Ezuko. Honnêtement, mon ami, et honnêtement parlant, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Toi, avec d'autres personnes, si tu me permets de le dire, tu es une personne très classique. Toi et moi, nous le savons très bien. Je ne sais pas pourquoi tu te permets d'être maltraité chez cette femme. Et tout ça, c'est au nom de l'amour. Comment? Attends, laisse-moi te poser une question. Mais est-ce que Jude est le seul homme dans ce monde? Non, mais réponds-moi, c'est ça? Neka. Neka, la dernière fois que j'ai vérifié, je suis assez âgée pour prendre mes décisions toute seule. Je n'ai besoin d'intervention de personne. Ah, vraiment? Ok. Tu es assez grande pour prendre tes propres décisions. Et tu es assez grande pour savoir ce que tu fais. Stella, s'il te plaît. Je sais que tu as besoin de mon aide. Oui. Mais tu es juste égoïste de ne pas accepter le fait que tu veux de mon aide. Oui, tu l'es. Je vais bien. Je vais très, très bien. Je suis venue ici juste pour passer un peu de temps. Oh, ok? Je souhaite que nous parlions d'autres sujets. Tu es venue derrière. Pourquoi pas? Laisse-moi juste utiliser de l'eau et te mettre ta tête dedans. Parce que maintenant, je sais qu'il fait très chaud. Allez, c'est bon, fini. Pardon. Comment évolue ton business? Ça promet? Dis-moi un peu. Très bien. Oui, ça évolue. Es-tu sûre? Oui, très sûre. Bien, je peux voir que ça marche. Je vais bien. Je suis très contente pour toi. Ouais, écoute. Tu dois parler à maman. Oui, cause avec elle. Sinon, lorsque j'agirai, lorsque je vais agir, chérie, elle va les regretter pour le restant de ses jours. Parce que ce que maman fait dans cette maison est intolérable. Mais c'est quoi ça? Je m'en fous, je veux rien savoir, je m'en fous totalement. Viens causer avec elle, ok? Viens causer avec elle. Oui! C'est mieux que tu rentres au village. Rentre au village et cause avec maman. Sinon, si j'agis, personne ne m'appréciera. Sérieusement. Mais c'est quoi ça? Tu n'as pas mal quelque part? Bébé, je suis en forme. J'ai juste de petites douleurs, mais ça va aller. Tu es sûr? Oui. Tu dois manger. Tu dois vraiment manger. Je suis d'accord, ça. Pourquoi tu me donnes ces regards inquiets? Ça va aller. Tu es sûr que je ne devrais pas t'amener dans une pharmacie ou bien dans un hôpital? Non. Ça va. Ok?
Il n'y a rien. Chérie, tu ne manges pas? Goûte, non? Ah non, mange, c'est pour toi. Vraiment, hein? Bébé, tu dois manger, je ne saurais pas le finir toute seule. Non, t'en fais pas, j'ai juste préparé pour toi. Même un peu, tu ne prends pas, chérie? D'accord, mais tu dois manger. Oh Seigneur, aimant. Aimant, tu vois, ma mère ne va pas changer. Elle ne va jamais changer. Je veux quitter ce village et maman ne me reverra plus jamais. Jamais je retournerai. Je suis revenu, mais regarde ce qu'elle m'a donné. Un acquis qui m'a vraiment déchiré. Mais pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas me laisser un peu d'espace avec ma femme? Pourquoi? Pourquoi? Quand je dis ce que je t'avais demandé, que tu devais lui demander à elle, ce qu'elle voulait, et son idée à elle à propos de tout ça. Je pour veux savoir pas. Ce qu'elle veut, je veux dire qu'on ne sait pas. Aimant, je ne veux pas demander à moi. J'ignore ce qu'elle veut, mais je ne veux pas lui demander, je ne veux rien savoir. Mais Jude, peu importe que ta mère puisse se comporter de cette manière, elle reste quand même ta mère et elle mérite un peu de respect. Alors arrête de dire du mal de ta propre mère. D'accord? Je n'aime pas du tout ça et je n'accepterai pas ça venant de toi. Et si je pouvais demander, quelle est donc la vie de Stella dans toute cette histoire? C'est ça la question. C'est ça la question. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Je ne reconnais plus ma mère et Stella veut toujours rester avec elle. Je ne comprends pas pourquoi. Bah te voilà. Je te dis, te voilà. Et tu es là en train de te plaindre. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme au foyer confirmé. Malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré qu'elle se trouve au milieu de tous ses pleurs, elle continue de respecter et d'aimer ta mère. Jude, ne penses-tu pas que tu devrais faire pareil? Ne peux-tu pas trouver un moyen de la gérer enfin? Jude, ta mère... Réfléchis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en prie, dépresse pas, la nourriture ne fuira jamais. Dis-moi, mon ami, tu sais que je crois vraiment en toi. Puisque je suis ton ami, je ne pourrai rien te dire à part la vérité. Jude, elle est ta mère. Va vers elle. Cherche des informations et découvre comment arranger ça avec elle. Mais, qui est-ce que tu supportes? De quel côté es-tu? Du côté de la vérité. La vérité? Regarde, tu vas me les dire? Jude, c'est la seule vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Attends, mais dis-le-moi. Relax. On est en train de parler de Stella, qui est une toute autre personne dans cette histoire. Hein? Elle respecte. Elle continue de respecter et d'aimer ta propre mère. Chica! Oh, bienvenue. Tu m'as manqué. Comment tu vas? Je vais bien. Bien. Où se trouve maman? Elle est aux alentours. Ah, comment ok. Va l'école? Bien. M'as-tu apporté quelque chose? Oui. Laisse-moi t'aider. Ok. Comment va tout le monde? Regarde-toi, tu brilles. Tu bouffes de l'argent. J'aime ta perruque. Je vais te l'offrir. Tu es sûre? Oui. Maman, ne me dis pas que l'histoire que j'ai entendue est vraie. Que tu traitais très mal la fiancée de Jude. Et tu voulais qu'elle le quitte. Ah, je ne maltraitais personne dans cette maison. J'essayais juste de la prendre. Maman, qu'est-ce que tu essayais de faire? Sauf que tu étais en train de flageller Stella. Maman, ce n'est pas juste, non? Comment vas-tu te sentir si notre femme me fait la même chose? Bah. Maman, je n'aime pas ça. Je n'ai pas aimé.
Maman, laisse-moi te poser une question. Et si on te faisait la même chose? Réponds-moi. Mais pourquoi tu dis ça? Es-tu devenu un juge maintenant? Donc tu me juges maintenant, n'est-ce pas? Je sais que c'est seulement des avocats qui jugent et maintenant c'est toi qui me juges. Maman, je sais pourquoi je parle de ces choses. Et nous devons conclure à propos de ces problèmes. Je peux me décider de te quitter, oh. Je peux partir. Répète ce que tu viens de dire. Dieu, que j'ai donné naissance, que j'ai porté 9 mois dans mon ventre, je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. Ah, il ne sera telle chose. À cause de toutes ces prostituées, Dieu ne peut pas faire ça. Mon seul et unique fils, Mbanou. Maman, tu regretteras sur tout ce que tu fais, oh maman. Je disais, maman, tu regretteras, oh. Hey, ok, oh. Hein, je suis en train de parler, personne ne m'écoute. Je suis en train de parler, vous dites que je parle des bêtises, hein, maman. Hein, maman. Ok, oh. S'il te plaît, où est mon frère Jude? Réponds-moi. Il est sorti il n'y a pas longtemps avec tante Stella. Maman, j'espère que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Ne m'appelle pas maman, c'est quoi ça? Okay. Ne m'appelle pas m'appeler maman, c'est quoi ça? D'accord. Tu ne m'as même pas demandé, tu t'enflammes directement. C'est quoi ça? Je veux d'abord entendre Jude. Allô, allô, frère Jude. Mon frère, où es-tu? Frère Jude, tu dois retourner, c'est très important, tu dois retourner. Mon frère, Scola ne va pas bien. Tu dois te dépêcher à arriver pour l'amener à l'hôpital. Ok, que j'ai loué un taxi. D'accord. Hey! Hein? Où est-ce que tu vas? Je vais chez Foma, non? Rappelle-toi que je t'avais dit hier que je devais aller leur rendre visite. Je pense qu'elles sont déjà là. Laisse-moi me dépêcher. D'accord. As-tu fini tout ce que tu as demandé de faire? Oui, j'ai tout fini. Ok. En allant, rassure-toi de rentrer. Attends, ne reste pas tard. Pas de problème, maman. Prends soin de toi. Ok. Au revoir. Bye. Maman, mon où frère. Est-elle? Maman vient de sortir maintenant. Elle est sortie? Oui, juste après. Elle vient de sortir juste maintenant. Ok. Maman! Qu'est-ce maman! Que tu ma sœur Stella, tu oh. Aller au shop? Ma sœur Stella, oh. Qu'est-ce qui est arrivé à Stella? Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Maman, j'étais à la boutique de Stella. J'ai vu l'ami de ma sœur Scola. Elle a dit que ma grande soeur a fait une crise. Mais bon. Elles sont à l'hôpital. Seigneur mon Dieu. Mes ennemis se sont levés contre moi. Hey, je vais en finir avec ça. Maman, allons-y. Allons-y à l'hôpital. Allons-y. Ils sont dans quel hôpital? Ce n'est pas loin d'ici. Allons-y. Hey, maman, dépêche-toi. Maman, j'ai à te parler. Comment elle va? Qu'est-ce que le docteur a dit comme maman? Oui. Le docteur a dit qu'elle a connu tout ça à cause des stress. Maman, si cela continue, elle risque de mourir. Fais attention. Maman, fais attention. Mais comment elle est stressée? Demande. Elle ne nettoie pas la maison, elle ne lève pas les habits, elle ne fait que préparer autre. Mais comment elle peut être stressée? Comment? Maman, je ne sais pas. C'est toi qui vivais avec elle. C'est toi qui connais les problèmes.
que la tempête s'abatte sur cette bouche. Si je ne t'avais pas mise au monde, j'allais déjà m'apprendre à toi. Es-tu stupide? Maintenant, tu as eu l'audace de me répondre. À cause des stupides choses. Peut-être qu'elle vient de ça, de sa famille. Ne m'énerve pas, oh. Je suis concentrée, ne m'énerve pas, oh. Et permettra ce que ma concentration soit pour rien. Maman, je sais de quoi je parle, oh. Maman? Maman, je suis en train de te parler, tu continues à faire ce que tu faisais. Maman, ce que j'ai dit n'est pas important. Hein, maman? D'accord, oh. Et je vais mettre ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Le docteur a dit pas de stress, que tu ne dois pas te stresser. C'est quoi ça? Bébé, voyons. Tu crois que le simple fait de laver les habits peut être une source de stress? Ce n'est pas si grave. C'est juste les habits, tu qu'elle peut le faire. Mais c'est pourquoi elle est là? Hein? Mais pourquoi tu te stresses autant? Tu es supposé de te reposer. C'est ce que tu devrais faire. Bébé, ça fait déjà 3 jours. 3 jours que je suis sortie de l'hôpital. Ok? Ok, c'est bon. Dis-moi, et qu'est-ce que maman a dit pour la prédote? Ma mère est juste impossible. Je ne sais pas. Bébé, je n'arrive pas à le croire. Elle est toujours contre, je comprends pas. T'inquiète, donne-lui juste un peu de temps. Elle y arrivera. Le temps, combien de temps tu veux que je lui donne encore? Combien de temps devrais-je lui donner? Hein? Elle est en train de s'amuser en me frustrant. C'est comme ça qu'elle se sent, Thérèse. C'est toi qui me stresses maintenant, émotionnellement. Je suis désolé. Ok. Ça ira, hein? T'inquiète. Je ne sais pas pourquoi elle fait tout ça. Hey, mon Dieu. Tu n'es pas supposée être en train de danser? Genre, tu es supposée être heureuse. Es-tu sérieuse? Ma chère, es-tu en train de plaisanter? Je dois être contente de voir ma belle-mère en devenir allongée sur le lit d'hôpital juste à cause de moi. Je suis donc supposée être heureuse, selon toi? Regarde-toi un peu. Mais est-ce que tu t'attends parler? Non, mais est-ce que tu t'attends parler? Celle qui te maltraite est allongée à l'hôpital. Tu es supposée être en train de prier. Demander à Dieu. Dieu, s'il te plaît, bats-toi pour moi. Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas que cette femme sorte de ces... Oui, c'est pour ça que tu dois prier. Ne reste pas là, t'es qui était pour rien. Laisse-moi d'ailleurs te demander quelque chose, copine. Quand est-ce que tu as commencé à être stupide? Quand? Parce qu'à mon égard, tu apparais vraiment stupide. Non, paraître c'est encore mieux. Tu es vraiment stupide. L'amour. C'est l'amour qui m'a rendu si stupide. Et je crois qu'il est temps pour toi de te trouver un. Hein? Non, chérie, je ne vais pas tolérer ça venant de toi. Je veux dire, tu ne peux pas venir dans mon shop et m'insulter. Je ne suis pas du tout en train de t'insulter. Tu m'insultes. Je ne suis qu'en train de te dire la vérité. Dès que je dis que j'avais besoin de l'amour, écoute, je vais bien ici. Hein? Parce que si l'amour le tient, pardon, laisse-moi rester. Je ne veux pas me marier. Est-ce que c'est par force? Merci. S'il te plaît, dis quelque chose d'autre. Pourquoi pas venir me dire qu'elle est allongée à l'hôpital? Tu l'as touchée et elle est tombée là. Alors pourquoi venir chez moi pour te conseiller? Jude. Comment as-tu pu rabaisser ta propre mère? Comment as-tu pu... Emmanuel, il me semble que tu n'as pas compris ce que je viens de dire. À quoi? Oui, tu m'écoutes pas. À quoi? Sinon, tu n'allais pas dire ça. C'était ma mère qui attaquait Stella. Hein? Ce que j'ai fait, c'était retirer ma mère contre Stella. Et après, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie? Ouais. Elle s'est juste évanouie. Juste comme ça. Non, mais tu t'entends parler? Elle s'est juste évanouie. Je t'ai prévenu d'être très prudent avec ta manière de traiter cette femme. Sois très très prudent. Penses-tu que si quelque chose de pire que ça était arrivé, tu crois que les gens voudraient entendre ta version de l'histoire? Rien n'arrivera. Rien ne va arriver. Oui, rien du tout. Rien ne va arriver. Écoute-moi très bien. Je te l'ai demandé à plusieurs reprises. Lui as-tu demandé? Hein? Emma. Lui as-tu au moins demandé quel était son problème? Je le fais. Je l'ai demandé à chaque fois 1000 reprises. Maman a carrément refusé de me donner une réponse. Jude, continue de lui demander. Comment? Continue de demander. Elle est ta mère jusqu'à ce que tu donnes une réponse tangible. Hein? Vas-y, demande-lui. Écoute,
on doit d'abord essayer d'arrêter avec cette conversation. Maintenant, parlons de quelque chose de productif. Très productif. Très, très productif. Très productif, tu dis? Si tu veux encore continuer avec ces problèmes, c'est mieux que tu rentres chez toi. Tu as bousculé ta propre mère. Je te parle de ça pour que tu prennes une bonne décision. Mais tu me demandes de parler de quelque chose de très productif. Si tu ne peux pas changer de sujet, va chez toi. Oui, je vais partir. Je préfère d'ailleurs partir. Va. Règle bien tes problèmes. Va. Va chez toi. C'est bon, je m'en vais. Ah. Tu me dis n'importe quoi. Va chez toi. Je suis déjà en train de partir, non? Tu me dis n'importe quoi. Va chez toi. Oui. En tout cas, va chez toi. Ne ferme pas le portail. Moi-même, je le ferme pour toi. Allô, bébé. Je vais bien, et toi? Oui. Tu me manques aussi. Oh oui, bébé, je sais, mais je suis vraiment occupée. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Je sais, non? Es-tu sérieux? C'est pour aujourd'hui? Désolée, j'avais oublié. Ne t'inquiète pas, je le ferai pour toi, ok? Ok. Oui, je t'aime beaucoup. Je ne peux pas attendre pour te voir. Ok. Bébé, raccroche, je vais t'appeler après. Lucie, salut, Stella. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Oui, je vais bien. Où vas-tu? J'amène à maman sa nourriture. Je crois qu'elle doit avoir faim maintenant. Merci. Pourras-tu m'aider à arranger la cuisine, s'il te plaît? Oui, je le ferai. Merci beaucoup. Prends soin de toi. D'accord, merci. Stella, merci beaucoup. Merci pour tout. Ah non, arrête, ne le mentionne pas. Ok, d'accord. Bye. Allô, bébé. Non. Hey Lucie, et tu m'as dit que tu avais une question à me poser. C'est laquelle? Qui es-tu? Je ne comprends pas, ça veut dire quoi, qui es-tu? Je voulais dire, qui peut faire ça? Ah, je ne comprends toujours pas où tu veux en venir. Stella, notre mère t'a fait souffrir. Mais tu es toujours là. Toutes les filles que je connais, y compris moi, je serais partie. Je ne pouvais pas rester. Stella, tu es forte. Tu es une très bonne personne. Hey Lucie, tu sais, je crois à une chose. Je crois que toute femme qui ne respecte pas sa belle-mère, peu importe le problème ou le traitement par lesquels elle passe entre ses mains, elle n'est pas du tout digne d'être appelée une femme. Que veux-tu dire? Tu m'as bien entendu. Et moi, je n'arrive sérieusement pas à comprendre pourquoi ma mère agit ainsi et de la manière dont elle fait des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas accompli pour elle, comme un fils? Quoi? Juste un souhait. Juste un souhait que je lui ai demandé. Ah. Jude, tu dois vraiment y aller doucement avec elle. Ok, vas-y doucement avec elle, calme-toi. Mais si je puis te demander, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Lui demander. Et moi, j'ai demandé à ma mère à chaque reprise. Ok. Oui, à chaque reprise. Hey, lorsque je l'avais posé cette question, elle m'ignorait. Ouais. Wow. Elle m'ignorait comme si j'étais juste un Jude, c'est Jude qu'elle connaissait depuis que je suis petit. C'est ça une mère. Ah non, non. Non, 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 c'est ça une mère pour toi. Tu dois y aller doucement avec elle, calme-toi. Au moins fais-le pour cette pauvre fille innocente. D'ailleurs, le chien patient finira toujours par avoir l'os le plus gros. Jude. Vas-y doucement avec elle. Tu verras. J'ai comme un chien patient. J'ai comme un chien patient. C'est de ça que tu parles. La plupart sont morts.
parce qu'il semblerait qu'il n'y avait pas d'os pour elle de manger. Tu peux voir le fait que ça implique. Pas d'os. Tu vois maintenant ce qui s'implique. Il n'y a pas d'os pour manger. La plupart des sont morts. Doucement. Mon gars, s'il te plaît, ma mère doit vraiment comprendre. Jude, s'il te plaît, vas-y doucement avec elle. Calme-toi, ok? Mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Juste un souhait. Essaie d'aller doucement avec elle. Fais-la comprendre tout ça, c'est ça. En quoi encore? Calme-toi. Juste un souhait. C'est tout ce que comprends, je veux de moi. Est-ce que c'est pour elle de l'accomplir? Une mère, tu dois toujours aller doucement avec elle. Calme-toi, je t'en prie. Emma, je suis fatigué, mon gars. Je suis fatigué, mon gars. Lucie? Chika, est-ce que tout va bien? Chika, je suis inquiète. Je suis vraiment inquiète. Stella est une bonne femme, mais je ne sais pas pourquoi maman la déteste. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est mieux que tu parles avec elle. Combien elle a demandé ce qu'est-ce qui ne va pas. Combien de fois allons-nous le faire? Elle ne nous accorde pas cette chance. Je ne sais pas. Ok, c'est bon. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais que je ne sais pas. Mais pour bien voir les choses, hein. Mon frère Jude l'a laissé partir. Je ne sais pas. Je ne vais même pas m'inquiéter à propos de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec maman. Je ne sais pas. Attends, que veux-tu juste dire, Jude? C'est exactement ce que je veux faire, mon gars, sérieusement. Je vais la confronter et la poser cette question ouvertement. Elle va me répondre ouvertement pourquoi elle refuse. Je vais lui demander. C'est exactement ce que je vais faire. Jude. Laisse-moi, soyons juste francs là maintenant. Cette femme-là, ta mère à toi, vient juste d'être ramenée de l'hôpital. Ne penses-tu pas que tout ce drame, c'est trop tôt pour elle? Emma, tu appelles ça un drame? Tu appelles tout ça un drame? Emma, laisse-moi te demander comme un ami. De quel côté es-tu? Et s'il faut que je te réponde, je suis du côté de la vérité et de l'honnêteté. Tu es allé doucement avec ta mère, mon frère. Calme-toi. Tu dois juste... Calme-toi, je t'en prie. Au temps de Dieu, tout ça ne fera partie que du passé. D'accord? Reste juste concentré. Au temps prévu par Dieu, toutes ces choses seront complètement oubliées. Mec, tu n'as pas besoin de te battre comme tu dis là. Essaie juste de te calmer. Je suis confus. Et moi, sérieusement, je suis confus. Et la confusion est naturelle. Tu es mon ami. N'importe quel homme, dans l'état où tu te trouves, devrait être confus. Juste calme-toi. Calme-toi, observons. Juste calme-toi. Jude. Franchement, tu ne comprends pas toujours. Regarde, j'avais voyagé à l'étranger. Ma mère l'a rejetée, l'a maltraitée. Je décide porter, mais elle a recommencé, elle a encore rejeté. Ce que je ressens à l'instant même, c'est d'aller en ville avec elle. Je l'épouse là-bas sans toutefois informer même ma famille. Wow. Sérieusement, c'est ce que je veux faire maintenant. Ouais, je t'ai dit. Oui, je peux le faire. Regarde-moi, je ne blague pas. Je ne le dis pas juste pour parler. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me tient et me tire toujours vers le bas. Tu ne le vois pas? Ça me tire vers le bas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je sais de quoi je parle. Au fait, lorsque je vais avancer. Attends, es-tu en train d'essayer de me dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui est associé à tout ceci? Quelque chose de surnaturel? Jude? Hein? Il y a quelqu'un qu'il faut absolument que tu voyes. Ouais.
Pourquoi est-ce que c'est dur pour moi de me marier dans ma vie? Qu'est-ce qui me bloque? Ta mère avait fait un pacte avec le monde marin. C'est lui la personne que tu m'as dit de venir voir. Tu es têtu, je sais, mais garde un peu ta têtu. Ce n'est pas question, je t'en prie, écoute d'abord ce qu'il dit. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu n'avais pas pu emmener Jessica en ville pour l'épouser? Et ce même quand tu t'étais décidé. Monsieur, s'il vous plaît, qui vous a parlé de Jessica et comment est-ce que vous connaissez à propos d'elle? Ta mère avait une alliance avec l'esprit de Ogené pour un enfant sous le désespoir. Monsieur, la femme que vous êtes en train de parler là est ma mère. Elle est une femme chrétienne. C'est impossible de dire que ma mère avait demandé un enfant auprès des esprits marins ou bien peu importe. Comme je l'ai dit, dans le désespoir. Et Ogené t'a donné à elle avec la condition que tu ne te marierais jamais. Sinon, tu mourrais. Cela est la raison derrière la protection secrète de ta mère envers toi. Ce qui est de faire en sorte de rendre chaque femme qui vient vers toi misérable. Toute femme qui lui a été présentée par toi est en danger. C'est vraiment sérieux? À chaque fois que tu décides de te marier, Ogené va s'assurer à ce que tu emmènes cette femme vers ta mère. Bien sûr que tu connais le résultat final. Si toi, tu tentes d'aller à la cité pour te marier, Ogené mettra la confusion dans ta tête qui te fera agir comme un chien qui va aboyer sans jamais mordre. Et qu'est-ce que le grand guerrier? Y a-t-il une quelconque solution à ceci? Je veux dire, est-ce que l'alliance peut être brisée? Il y a tellement beaucoup de sacrifices qui y sont liés. Et qui apaiseront les dieux pendant 7 jours le temps de te marier sans que ta mère ne sache cela? Si tu dois réussir, la question est, Jude, es-tu prêt pour ça? Maman. Oui, fiston. Pourquoi tu m'avais pas dit la vérité? Quelle vérité? Maman, pourquoi tu m'avais pas dit que tu étais allée aussi loin? Juste pour avoir un enfant? Ah, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu veux dire par aller loin? De quoi est-ce que tu parles? Maman, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais allée chez le dieu marin pour qu'il te donne un enfant? Et ils t'ont donné une condition. Que cet enfant, c'est moi. Cet enfant, question. Que cet enfant ne devrait jamais se marier avec n'importe quelle femme. Qui te l'a dit? Où est-ce que tu as ramassé toutes ces informations? Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi les garder? Je suis désolée. Jude, j'ai fait ce que j'avais fait sous la pression. Je devrais vraiment aller très loin.
à cause du plaisir de cette famille. J'étais presque prête à perdre ma famille. Je parcourus partout. Et ça, cela était la seule solution qui m'était venue en tête. J'étais impatiente. J'ai couru vite que mon ombre. Je ne savais pas quoi est-ce que ce plaisir pourrait nous amener. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant. Pour sauver cette famille. C'était pour ça que je m'étais rendue là-bas. Et il m'avait donné plusieurs conditions. C'est pourquoi j'ai été difficile. Envers toutes les filles que tu me présentais. Écoute, John, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, je regrette beaucoup mes actions. Et après ta naissance, Dieu s'est prouvé lui-même dans ma vie et m'a donné ta sœur. Je n'étais allée nulle part pour l'avoir. C'est Dieu qui me l'avait donnée. Et cela me rappelle qu'il y a des moments, dans la vie qu'il faut être patient. Je me disais, si j'étais un peu patiente, j'allais peut-être t'avoir, ça passait par d'autres choses. Mais j'étais vraiment impatiente. Et j'avais vraiment peur de te perdre. Raison pour laquelle j'ai toujours été méchante envers les filles que tu m'amènes. Je suis vraiment désolée. Mes enfants, je suis vraiment désolée. Non, maman. Je suis désolée. Stella, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, pardonnez-moi, je suis désolée. S'il te plaît. Je suis désolée. C'est d'accord. Tout va bien, maman. J'ai brisé tous les pactes que tu avais signés avec le Dieu Marie. Hein? Tu as fait quoi? Si, on l'a fait. Tu as brisé quoi? Tous les pactes que tu avais avec le Dieu Marie. Et ça a marché? Ils ont accepté? Maman, ils ont accepté, c'est fini. Je peux maintenant me marier à ma femme. Nous sommes libres maintenant. Nous sommes libres. Nous sommes tous libres. Es-tu sûr? Oui, maman. Ah! Oh Dieu, merci. Merci, mon Dieu. Tu l'as fait? Tu... Ah. Oh, c'est fini, c'est fini. Oh, c'est fini. Merci. Oh, merci. Donc tu es libre maintenant? Maman, nous sommes libres. Oh, merci. Merci. Es-tu sûr que tu es libre? Oui, maman. Hey. Maman, je peux maintenant épouser ma femme sans aucune condition. Hey. Merci, Néo. S'il te plaît, je suis désolée. Je dois m'excuser auprès de toi. D'accord. Hein? Maintenant, je sais que Dieu t'a fait venir dans cette famille avec une raison. En tout cas, tu es une femme vertueuse. Non, mais Jésus, toute gère de mauvaises choses que je t'ai faisais, tu étais toujours là. Tu aimais toujours mon fils. Et je suis désolée, oh. Le sang de Jésus. Oh, tu es jolie. Merci, maman. La fille de Zion. Oh, j'avais maltraité un enfant de Dieu. Oh, mon Dieu. Maman. Je suis contente. Jude. Hey, Jude. Maman. Quand est-ce que tu vas payer la dot? Fais-les rapidement. Très, très maman, rapide. Maman. On va enfin le faire. Demain? Je ne veux pas que ça traîne. Ouais, maman. Très bientôt. Très bientôt. Ça ne sera pas long. Très, très, très bientôt. Hey, Benéo. Hey, oh, tu es tellement jolie. Hey, oh.